Salut à tous, c'est Fabien, je vous retrouve aujourd'hui pour une exclusivité, un glitch vous permettant de sortir de la carte du chapitre 2 sur le jeu Killzone Shadowfall. Je me trouve actuellement sur PS4 et la qualité est légèrement différente de mes précédentes vidéos étant donné que j'ai testé de filmer cela avec le PVR intégré à la console et je trouve que la qualité, elle est franchement très très correcte, elle est vraiment belle, ça a un beau rendu, c'est facile d'utilisation, rapide. Et surtout, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Donc c'est un net avantage d'avoir cette fonction disponible sur la console. Donc vous devez tout simplement vous rendre à l'endroit où je suis en train de me rendre. Là, vous devez utiliser le pavé tactile de votre manette. Dirigez donc votre doigt sur le pavé tactile vers la droite de façon à utiliser l'option ou la fonction tyrolienne. Ensuite, vous appuyez sur R1 pour pouvoir déployer votre tyrolienne au même endroit que moi. Vous sautez en dehors de la carte en vous rabattant sur la droite. Vous allez atterrir au même endroit que moi. Une fois que vous êtes à cet endroit, donc vous devez tout simplement avancer sur la roche, puis reculer dès que vous tombez. Et donc du coup, dès que vous êtes tombé, vous allez être sur une plateforme un peu plus basse. Donc là, une fois que vous êtes sur cette plateforme, il y a des dead barrières tout autour. Il va falloir un petit peu ruser pour pouvoir tout simplement les contourner. Vous allez devoir prendre un petit peu d'élan, donc vous reculez un petit peu et vous sautez dans le vide tout simplement. Et donc une fois que vous êtes dans le vide, vous êtes en chute libre littéralement. Vous pouvez voir l'immensité de la carte et surtout les très beaux graphismes. Qu'ils soient lointains ou proches, ils sont franchement très très beaux. La carte est très très grande et c'est un petit glitch donc comme ça à réaliser pour le fun. Et c'est certainement l'un des premiers sur PS4 si je ne m'abuse. Donc je l'ai découvert en plein live en testant tout simplement la fonction live sur PS4 qui fonctionne très bien d'ailleurs. Je vous mettrai si vous voulez le lien dans la description de mon Twitch TV si jamais vous voulez faire un tour de temps en temps. Je pense que je vais faire pas mal de live étant donné que c'est très très simple d'utilisation. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Quant à moi, je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.